va visiter le musée de Dibaou. On a une visite guidée pour 2h30. On peut faire la salade avec, on s'est mis la vitamine. Pour les pêcheurs, pour nous, le papayer mâle, on prend les feuilles pour faire un bourgeon, on met dans les nasses pour attraper le vent, on fait rôter les poissons. On appelle ça le sika en mer quand c'est fait couper par des queues de remonta ou il y a une coupure. On prend la tige, coupe un peu la tige, il donne une sorte de sève. On met dessus pour cicatriser. C'est ça qu'on appelle ça le sika, vous voyez là. Avec le moteur d'ici aujourd'hui, il y a l'avion. Mon avion pour aller à Iquepin, 20 minutes pour aller à Iquepin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est d'ici dans le sud, c'est d'ici jusqu'à une trentaine de îlots. Des îlots un peu comme ça. Donc on passe de îlot en îlot. Là, on voit l'architecture du centre de Dibaou, qui a été réalisé par Enzo Piano, qui avait fait le centre Jacques Copy de Paris. Quand vous allez repartir,